C'est pour lui qui est fort là qui gagne. Moi, il était gagné, il m'a chier sur lui. Il m'a donné. Il n'avait pas maïs encore. J'ai maïs sur lui. Il est descendu. Descendu. Jusqu'au soir, c'est fini. On dit, ah, il ne respire plus, son corps en train de courir, on dit. Quand il a commencé la croisade, il dit, faut pas nous prêcher la Bible. Dieu même là, nous a montré qu'il y avait toi. Nous, on est devenu chrétien forcé. Vous laissez avec les Bibles. Ne touche même pas la Bible. Ne touche pas. Tout le village en marche à Jésus. Or, leur église, ils ont plus de 4 églises. Il y a Papa Nouveau, il y a Harris, il y a Méthodiste, il y a Catholique. Ils ont des grosses églises. Sorcellerie. Ils disent, c'est avant toi qu'on voit ça. On pensait même pas qu'on pensait même pas qu'il peut. Tu es sorcier. Mais chacun va à l'église et puis il a son petit quelque chose. Ah! Il va à l'église, il a petit quelque chose. Quand il finit pour dire, béni le Seigneur notre Dieu, amen. Il prend communion, il va prendre cola, un du vin, il s'en chauffe, ta chose. C'est bien, ils ont vu. Quand il dit aux gens, emmenez voir le petit, il y a eu deux paniers remplis. Et maintenant, on ne va pas dans le village. On a pris un peu de pause. Deux paniers, on a brûlé. Hein? Ils ont dit, on va envoyer. Ce n'est rien. Parce que les gens osent les fétiches dans le village et puis sorcier les mange. Et ce que le Saint-Esprit a montré, j'avais des gens qui venaient bouter du sang humain. Regarde ça. Du sang humain. Ce que j'ai vu. Toute âme forgée contre toi. Sinon, il y a la vapeur. Il dit, ne pas avoir peur, soyez sans crainte. Il parle de la frayeur, soyez sans crainte. Un sorcier te dit, bébé, je suis son territoire. Il dit, va te tuer. Ce n'est pas Dieu. Et la peur m'a pas gagné. Il dit, tant que je ne marche pas sur son corps, je ne rentre pas dans le village. Il dit, ok. J'ai un pouvoir, moi. Pas tes petits pouvoirs bizarres, tu t'envoles, tu vas manger des gens. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Je l'ai regardé tout droit. Tout droit. Je ne parle pas beaucoup. Flèche est rentrée en lui. C'est des flèches envoyées. Je le regarde. Lui, il envoie des flèches bizarres, bizarres. Flèche, mais qu'il envoie là, ça rentre dans son corps. Pour moi, il rentre. Tchou, 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 tchou. Pour lui, la main retourne. Retourne l'envoyer. Retourne l'envoyer. J'ai coulé sans partir. Jésus, ce n'est pas de la plaisanterie. Vous avez Bible, vous avez peur des sorciers. J'ai vu le grand père en rêve. J'ai vu la maman. Elle est venue, il est venu en rêve. Puis tu as peur. De toi, un sorcier, qui doit avoir peur? Qui doit avoir peur de ce camarade? Je vous demande. Entre Jésus et Satan, met les deux dans la maison. Qui va fuir? S'il a eu le temps, il va fuir. Sinon, Jésus va le frapper et l'écraser. Amen. Il n'y a pas payé. Jésus le met en dessous de lui. Et ce Jésus-là, il est avec toi. Amen. Et tu as peur de manger d'orteil. Sois sans peur. Amen. Sois sans crainte. Amen. On t'annonce une nouvelle, tu ne dois pas paniquer. Parce que ton Dieu est fort. Ton Dieu est puissant. Dis à quelqu'un, ton Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Amen. N'ayez pas peur. Il ne faut pas que quelqu'un vienne vous effrayer. Le Dieu que vous priez d'être Dieu de justice. Amen. Si vous attendez des choses, vous paniquez, prenez, allez dans Isaïe 54. Vous commencez par le verset 14 jusqu'au verset, le verset 17. Ça va vous fortifier. Amen. Ça va fortifier ta foi. Amen. Plus tu paniques, plus Dieu ne sera pas avec toi. Devant la mer rouge, Moïse n'a pas paniqué. Or, ceux qui paniquaient là, étaient là. Il dit l'Éternel combattra pour nous. Dieu a fondé la mer rouge. Je vous dis aussi aujourd'hui, toute situation qui se présente à un enfant de Dieu est un miracle déguisé. Amen. Tu n'as rien sur moi à t'envoyer. C'est un bon, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu auras une promotion. Amen. Ouais. Parce que ceux qui vont comploter contre toi, tu vas les écraser. Au même si on t'enlève de là, Dieu t'envoie quelque part de mieux. Bon. Amen. Si tu n'as rien fait, ne panique pas. Tu vois une information, tu vas recevoir. Amen. La seule chose que j'exhorte, demande à chacun, et que Dieu demande, c'est la justice. Soyez droit.
de faire une effort pour être droit. La droiture va nous animer. Parce que quand Dieu vient trancher, il tranche là où il y a la vérité. Là où il y a la vérité, ça va être du chemin. Il se mettra du côté de la vérité. Il va détruire le mensonge. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Amen. N'ayez pas peur. La panique, la peur, ça veut dire qu'on n'a jamais cru en Dieu. Si moi je vous compte mon histoire, vous allez me dire, mais c'est pas la peine. Il faut laisser faire des attrapés sorciers. Amen. C'est que moi je vois. Il t'a dit, mais laisse, ça fait quoi? Laisse ça. Va travailler. Vous voyez là, dans chaque ville, dans chaque pays, il mange. Dans chaque village, il enterre les gens. Et puis, vous ne pouvez pas qu'on parle. J'étais le premier quand j'ai rencontré les gens de la télévision, j'ai commencé à pleurer. Sauf que c'est fini, c'est ça. J'ai commencé à pleurer. Quand il n'y a pas de sujet, je commence à pleurer. J'ai dit, vous laissez un sujet important. Vous ne parlez pas de ça. On s'est rencontré à ce conseil, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, c'est pas fait. Je vais sortir à la télé, non. Mais je vais faire comprendre aux gens la nécessité de combattre la société. Et puis quand il a commencé à décortiquer, il a dit, non, demain il y a une émission. Allez, demain il y a une émission. J'ai dit, mais une émission. Vous parlez d'Ebola, vous parlez des palus, vous parlez du sida. Or, ils sont là. Au lieu de me journée de parler, ceux qu'on n'a pas combattu ont mangé des gens. Ils ont provoqué des accidents dans des pays. Les gens viennent, ils ont travaillé. On les gâte. Ils gâtent les foyers des gens. Ils détruisent la vie. Et vous ne voulez pas qu'on parle d'eux. On n'a qu'à les laisser. Ils vont manger. Que Dieu nous aide. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ne paniquez pas. Devant une situation, gardez la foi. Dieu, tu dis à quelqu'un, Dieu est Dieu. Dieu. Amen. Amen. Voilà, donc ce matin, c'était justement pour vous fortifier dans la foi. Tout à l'heure, il y a le groupe, les gens vont descendre du jeûne. Amen. Et je reviendrai encore dans la soirée pour suivre le second programme. Je marche en fonction de rythme. Donc quand vous me regardez, allez doucement et moi. Hein? Voilà, il faut qu'on s'entende. Vous venez, c'est mon rythme, vous devez suivre, n'est-ce pas? Amen. Pas moi qui vous suis. Ah, ça m'a bien compris. Amen. Voilà. C'est mon rythme, vous suivez. Donc, c'est en fonction de ça, je vais revenir l'après-midi pour poursuivre le programme. Mais c'est vraiment important de vous donner l'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est le diable qu'on doit avoir plus peur. On a l'impression que la mauvaise nouvelle nous effraie le plus. Or, Dieu a tellement de bonnes promesses pour nous. Amen. Or, c'est des choses de Dieu qui nous ont retenus. Amen. Ton héritage, c'est que toute âme forgée, toute âme sera rien. La mort ne pourra pas t'atteindre. Celle qui vient du diable, parce que la mort est naturelle. Mais il y a des morts qu'on appelle précipitées par le diable. Ça ne pourra pas contre toi. Amen. L'accident ne pourra rien contre toi. Amen. Parce que Dieu est puissant. Amen. 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 On se tient de vous. Pas que Dieu est puissant. Amen. 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 Dis à quelqu'un de ne parler plus. La vieille. Ayoka. Elle dit quoi? Je t'ai vu. Elle dit quoi? Elle dit quoi? Elle est venue. Elle est venue. Elle dit quoi, tu es là? Non, maman, ça n'est rien. Elle dit, tu as vu ma sœur. Hein? Mon petit frère. Non, on n'est pas sur ce sujet. Mais c'est ce qu'elle a dit. Quoi. Non, oui, mais pour lui dire, on n'est pas sur ce sujet. On en a mis hors ça. C'est toi qui m'intéresse. On a la boue. Voilà, boue, sorcellerie. Voilà. C'est ça, on va parler. Et puis, bon, après, oui, mais on va régler beaucoup de choses. C'est tout. On a acquis qui n'a su non. La vie, elle est partie à Londres. Vous allez prendre le cerveau de sa fille. Elle a petite fille, ma soeur. Elle a eu froid, c'est vrai, sa petite fille. Elle a mangé un bon à ça. Vous connaissez un bon? Oui. Et puis un petit piment à côté là. C'est chap, chap, chap. Moi, ça vit vite. Cerveau, un bon. Elle est à Londres. Vous avez un pouvoir comme ça. Et vous souffrez. Oh, voilà l'ambassade. Dit non. Puis tu pleures. Ah, tu vas à Londres. T'as pris des blancs. Tu vas aller chercher l'argent pour nous donner. La vieille.
Voilà, on va régler le problème d'après. On a beau habiter dans ce cas. On va bien régler. Merci. Ah, tu parles français. Il peut être long d'aller par l'anglais. Il faut demander, quand il peut être long, prends le cerveau là. Elle allait comment? On en a. Là, moi, là, ma sœur est où? On est où? On est où? Sans zouz, maman. On va m'aller sans zouz, maman. Elle est partie en quoi? En voiture, en avion, en voiture? Elle l'a oublié. Elle l'a oublié. Ça veut dire que tu es encore menteur et tu es encore sorcier. On a fait qu'un blasphème. Tu n'as pas encore laissé la société. Parce que le reflet de la société, c'est le mensonge. Toi, tu sais pas comment tu es parti. On a un yamouyou de l'eau, c'est qu'un blasphème. Parce que vous là, il y a eu des concombres. Le sorcier ment. C'est que vous m'avez dit. Si tu n'es pas un sorcier, tu allais dire la vérité. Mais c'est ce que tu as fait, c'est parce qu'on t'a dit, donc tu n'as pas oublié. Pourquoi tu n'oublies pas le nom de Marcel, ton fils? Tu connais son nom? Alors? Tu as fait comment? Aller prendre Sorbo. On m'a fait. Avion. En voiture, avion. On a ma topi. Parce que tu avais parlé dans deux avions. Avion. Mais je connais. Mais elle a dit les choses non nécessaires. Et quand tu es arrivé là-bas, tu as pris le cerveau du bébé, la fille. Elle dit s'est transformée en épervier, en oiseau. Sans zouz, en oiseau. Je la connais trop cela. Si elle était délivrée, c'est-à-dire, bon. Et elle a fait quoi? Elle joue toute la sérieuse. Oh, elle est dangereuse. Elle mange un bon. Elle dit qu'elle est partie dans son village aboli, qu'elle a creusé et qu'elle a mis du vide. On a une minute là. Est-ce qu'on va essayer de faire? Parce qu'on avait cette partie-là à régler qu'on n'a pas pu faire. Qu'est-ce que je veux dire que c'est mon grand frère. Mais qu'est-ce que je veux? Elle a pris le cerveau. Il va vous faire la route. Non, je ne dis pas le contraire. J'ai dit comment ça s'est passé. C'est ce que je veux savoir. Tu allais à Londres, c'est ça? C'est là-bas, elle est partie prendre du cerveau. Donc elle est arrivée là-bas.
Pour lui dire pour arriver là, nous, là, c'est pas là. Elle est visa, elle a voiture, avion. Donc, on connaît. Donc, on dit. Londres. Elle dit ma Londres. Elle a parti là-bas, elle connaît. Et elle a pris le cerveau. Il y a quel âge? Elle a pris le cerveau. Non, j'aime bien répéter les choses à moi. Elle a pris le cerveau et puis elle a enterré dans chez elle. Comment elle a fait prendre le cerveau? Sans souci, la mousse en dit qu'il n'y a qu'à la le cerveau est caché. Parce que c'est un souci. Ah, un souci. Un énorme poumon. Un jour, un misère. Un zèle qui a passé. En sorcellerie, elle est devenue épervier. Ouais. Et puis elle a piqué. La tête. On va la tuer, elle a pris. Elle a pris le cerveau. Et puis elle est parquée, ça. Elle n'a pas duré. Combien de minutes? Elle est partie, elle est venue directement au village. Elle gagnait quoi? Elle a rien eu dedans. Mais elle gagne quoi? Aller à Londres, se balader, se fatigue dans ça. Elle n'a rien dit. Dans les lèvres, réfléchis, comment gâter? Donc, nous avons dit ça, beaucoup. On est venu pour moi. On a dit ça, beaucoup. Il faut demander. C'est un plaisir. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Elle aime ça. C'est un plaisir pour elle. Et puis vous ne voulez pas qu'on combat les sorciers. C'est ce qu'il dit aux gens. Quand ils voient les gens, vous pouvez faire ça, lui, là, si lui, c'est Dieu. Toi, tu sais Dieu, mais tu ne combats pas les sorciers. Est-ce que là, c'est des gens qu'on doit laisser? On doit les laisser. Quelqu'un, son plaisir, c'est d'être gâté. Et puis nous, pour rien, nous, encore les regarder. C'est ça, il dit les pasteurs, que vous ne parlez pas des sorciers. Je ne suis pas vos camarades. Je ne peux pas parler à vous. Dans l'église, on va pas de ça. Non, la vieille, la sorcière libérée, elle a dit ça ici. Elle a dit à son pasteur, non, on ne pleure pas. Nous, on ne pleure pas. Est-ce qu'on démystifie la chose? Oui, dans les églises, on ne parlait pas des sorciers. Oui, les pasteurs, homme de Dieu, on ne parlait pas de ça. Parle au ciel. Oh, ils sont là dans notre église. La fille libérée a dit au pasteur, on ne parlait pas des sorciers. Elle dit à son pasteur. Pourquoi ne pas des sorciers? Ne parle pas des sorciers, c'est pas bon. Pourquoi? Elle est venue la casser les yeux du pasteur. Elle a pris l'église. Elle a fait Kanibaïsa. Toute l'église. Donc imagine-toi, l'église, excusez-moi, dans un niche de sorciers. Tous les fidèles. Mettez la maison au Gougnini. Toute l'église dans la niche d'une sorcière. Hein? T'as tout ce que tu fais là, c'est gâte. Ouais, le sujet est tellement important. Est tellement important. Il faudrait que chaque fois qu'on en parle. C'est comme ça qu'ils sont. Et tous, c'est comme ça. Il faut les demander, non, ils ont envie de gâter. C'est un plaisir pour eux. La maison de ma tante, ça fait 14 ans. On va régler tout ça. Non, mais c'est comme ça qu'ils sont. Quand ils sont là, ils gâtent. C'est comme ça. Leur esprit, ça gâte. Vous avez dit, ta maman est dedans, il faut venir en délivrer. Ton papa est dedans, il ne faut pas dire, faut pas prendre leur défense. C'est pour ça que j'aime bien leur manière de faire. Non, tu deviens avocat du diable. Maman n'est pas dedans, ok. Quand vous partez dormir, tu sais où ça va. Vous partez tous dormir, là. Tu connais ta maman, ça va la nuit. Vous êtes prêts à défendre vos mamans, vous êtes prêts à défendre vos papas. Vous savez, lui dort. Chacun dort, elle va à l'autre. Elle est partie. La vie est partie. Elle ne s'emmerde pas. Au moins, toi, tu veux te balader à Abidjan, elle est dans l'ombre. Non, elle n'a pas visa. T'as l'air visa. Madame, vous partez partir en l'ombre avec anglais là. T'as les foucault à l'ombre.
Elle s'est dit, bon, ok. Moi-même, là, j'ai avion, j'ai pourquoi après d'aller Air France, et quoi. On avait là-bas. Elle voulait la thérapie, hein? Chap, chap. Elle récupère, elle va enterrer. Tu ne peux pas rien. Mais laisse le cerveau. La vieille. Ok, on va régler ça. Hein? On va régler ça dans la soirée. Et puis nous, on a qu'à les regarder. Pour pas en parler de ça. Ah, ils aiment bien ça qu'on ne parle pas de. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Tu vas prier pour que s'il y a un sorcier dans ta famille, qu'il soit dévoilé. Au nom de Jésus. Nous prions tout le monde. Tout le monde. Que Dieu et la puissance de Jésus-Christ se manifestent. Oui, continue de prier, continue de prier. Qu'il soit dévoilé au nom de Jésus. Prie avec vie. Prie, prie, prie ce soir. Tous ceux qui sont à la base de ta situation, qu'ils soient dévoilés au nom de Jésus. Tous ceux qui t'empêchent de procréer, tous ceux qui ont bloqué ton voyage, qui ont mis la pauvreté. Tous ceux qui comptent qu'il n'y a pas la foi, la paix, dans ta vie, tous ceux qui dévoilés au nom de Jésus. Oui, prie avec lui. Prie avec lui. Prie avec lui ce soir. Hallelujah!
Amen. 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 Hallelujah.